Et bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que vous allez bien malgré ces températures caniculaires. Moi là, voyez, je suis chez moi, mais je suis à nage. Je suis sorti du boulot où il faisait 18, entre 16 et 18 degrés. J'arrive chez moi où rien qu'en voiture, je coulais l'eau déjà et il fait encore un peu plus de 30 degrés. Donc voilà, très compliqué. Donc désolé de l'heure tardive en tout cas pour les pronos. Deuxième annonce, demain. Alors attention, n'oubliez pas, les pronostics sont décalés à 13h50. Donc le Quintet Plus est à 13h50 et les réunions commencent pour Endgame à 9h02. Et les réunions, hein, je parlais. Et pour Auteuil, c'est à 8h et quelques. 8h, voilà, ils ont tout décalé au matin. Et pour la réunion qu'il y a le soir, c'est à 19h25 ou 45. Et c'est à la Croisée la Roche. Voilà. Donc méfiance. Si vous avez des papiers à passer, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas à 15h15 ou à 16h. Voilà. À cause de la canicule, ils ont tout décalé. Donc ceci étant dit, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo ou dans la section communauté de la chaîne. C'est Dramacorp. Donc je vous invite à y aller. Allez, ceci étant dit les amis, allons-y pour le Quintet Plus. Donc on commence avec le programme qui sera la R1 C9 à Enghien. C'est le prix des invalides. Le départ se fera donc à 13h50. C'est de l'atelier sur 2875 mètres. Il y a 16 partants, 57 000 euros d'enjeu et c'est une corde à gauche. Alors mon niveau de confiance est quand même de 2 sur 5 pour cette course-là. Tout peut arriver, hein. Ça reste une course du week-end, donc la liste des partants, vous l'avez à l'écran. Si vous souhaitez mettre pause, pas de problème. Et on est parti pour le pronostic Quintet. Donc, mon favori sera le numéro 15. Donc, Diapason de Pad, qui sera drivé par Abrivard. Ma base, ce sera le 6, Feu de Révolte, drivé par Lagaduc. Mes outsiders seront le 14 et Mancourt Bléquin qui sera drivé par Derieux. Le 4 Envoûtante drivé par Thomain. Et le 9 Dollar du Plein. Désolé les amis. Dollar du Plein drivé par Raffine. Mon regret, ce sera le 2 Flying Brickell qui sera drivé par Ernault. Donc en tout cas, j'ai oublié de vous dire, donc on a eu ce soir une tiercée écartée désordre. Je suis en train d'éteindre ma télé parce que ça ne le fait pas. Hop. Voilà. Donc on a eu une tiercée écartée désordre, hein, donc pas trop mal, mais voilà, les rapports. Pas génial, génial. Allez, j'ai eu trois bases. 1, 11, 12. Ouais, j'ai eu trois bases sur 5 qui sont rentrées. Donc mon conseil de jeu les amis, pour mon 2 sur 4, ce sera le 15 et le 6. Mon 2 sur 4 combiné sera le 15, 6, 3. Mon couplet sera le 15 et le 6. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 15, 6, 3. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 15, le 6, le 3 et le 14. Mon tic 3 sera le 15, 6, 3, 14 et 12. Mon multi en 7 normal sera le 15, 6, 3, 14. Désolé. 14, 12 et 4. Mon multi en 7 normal sera le 15, 6, 3, 14, 12, 4 et 16. Et pour ce qui est de ma sélection de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 15, 6, 3, 14, 12, 4, 16 et 9. Et mon cheval de complément sera
le numéro 2. Voilà. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 18 juin. Donc on va partir tout de suite à mes trois bases. Donc on y va sans oublier, sans attendre les amis. Allez, j'attends que ça monte un peu plus. Au moins comme ça vous avez tout. Et on est parti. Allez, passons à mes trois bases les amis. Donc on commence tout de suite avec mon favori qui sera le 15. Diapason de Pad. Donc c'est Abrivar aux manettes. Goetz, l'entraîneur. Déféré des 4 pieds. C'est un nombre de 9 ans. Donc ses dernières courses, 4e, 2e, 8e. Alors espérons qu'il reste sur ces deux dernières courses. Ce serait pas mal du tout. 77 courses courues, 15 victoires, 13 fois 2e et 3e, 49 autres. 36% dans les 3 premiers. Donc pas trop mal, je trouve. Donc à voir sur le terrain ce que ça peut faire. Ma base sera le 6, Feu de Révolte. Donc drivé par Lagadoc. C'est Jajolé, l'entraîneur. Déféré des 4 pieds, c'est un mâle de 7 ans. Alors ses dernières courses, 3-1-1. Troisième, premier. Donc ce sera le favori de la course, hein, sans trop se leurrer, l'un des favoris quoi. Donc méfiance et mettez-le bien dans vos jeux. Donc 5 ans de course courue, 9 victoires, 13 fois 2e et 3e et 30 autres, 42% dans les 3 premiers. Donc cheval assez intéressant les amis. Montocar sera le 14, Emancourt Blequin. Donc c'est Derieux aux manettes, Courbiche l'entraîneur. C'est un nombre de 8 ans, déféré des pieds arrière. Donc, ces dernières courses, 4e, 7e, 6e. Donc, voilà, moyennement hein, ce cheval. Mais je l'ai pris, sera sûrement un bon rapport. 76 courses courues, 10 victoires, 15 fois 2e et 3e, 51 autres. Désolé, 33% dans les 3 premiers. Donc, cheval assez costaud, je pense, pour arriver en tête. Donc, même à faire arriver dans les 5 quoi, pas en tête hein, parce que ça va être compliqué, mais dans les 5 c'est fort possible. Ma dernière minute maintenant les amis, qui sera le numéro 13, Ekiango de Nil, sera drivé par l'ami. Donc c'est ça qui m'a fait un peu prendre cette décision là de le mettre en dernière minute. C'est Grotte l'entraîneur, donc c'est un nombre de 8 ans. Ces dernières courses, 5e, 4e et non placé. Donc, voilà, ça risque d'être compliqué. 87 courses courues, 2 victoires, 19 fois 2e et 3e, 66 autres, 24% dans les 3 premiers. Donc, cheval assez moyen. Donc, je vais mettre moi qu'une petite pièce dessus, histoire de me couvrir. Donc, voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter et d'aller voir ma nouvelle chaîne YouTube Drama Corp et de vous y abonner. Bye!